Hein? C'est pas du tout normal. Ouais. Attendez. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la porte qui écrase. Je suis avec la Parisienne. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est le 8. C'est le 7? Le 8 octobre. Vous êtes né le 8 octobre? Oui, je suis née le 8 octobre. Oui, vous sortez d'où? Et je vis à Reynoldsburg, ici au Ohio. Mais vous sortez grâce d'avoir vraiment une grande famille ici. Oui. Mon père, j'ai une famille qui a fait la plus grande surprise de ma vie. Oui. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureuse. C'est juste une petite attention que la famille donne à tout un chacun. Et c'est ça qui fait le bonheur, qui fait la joie de la famille. Et franchement, je suis tellement contente. Comblée aussi. Il y a vraiment comblée et contente pour ce geste. Je vous apprécie et je vous aime tellement. Merci beaucoup. J'ai vu un gâteau ici. Il y a trop de bougies là. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un morceau, une bonne partie du gâteau qui est parti. Voilà. J'aimerais bien que vous me dites ce qui se passe exactement. Aujourd'hui, Dieu m'a accordé un jour de plus sur mon pèlerinage sur terre, ce qui fait 35 années, aujourd'hui 8 octobre. Ma petite sœur. Oh my gosh. Vous avez 5 ans. 35 ans. Ans. Je vous en prie. Non, vous avez 35 ans d'âge. Oui, 35 ans aujourd'hui. Yeah, mais vous rayonnez là. Oh, vraiment, je ne sais pas. C'est juste une grâce divine. Une grâce divine. Ça c'est très bien. Vous dites quoi, vous avez des gens à dédicacer ou bien? Je veux dédicacer ce moment à toutes les personnes, mes bien-aimées, les gens qui sont vraiment très proches de mon cœur. Vous pouvez me regarder ici. Marie, vous me regardez ici, oui. Qui est la première dans le corps. Oui. Et après Jocelyne, qui est ma petite sœur chérie. Et ma bien-aimée Aïssa, qui est la popole de la famille. Oui. Ah oui. Et à toutes mes petites sœurs ici, et ma sœur jumelle Dornette, oui. Qui est là. Oui. Et à tous les enfants, à toute la famille africaine, oui. Communauté congolaise spécifiquement ici à Ohio. Oui. Je vous aime tellement, je ne vous en dirai pas autant. Si tu ne m'aimes pas, si je ne sois pas mon libéral, je vais. Je veux. Où est Jocelyne? Jocelyne, je ne veux pas te filmer, mais viens chanter, je ne veux pas te prendre. Viens chanter ce moment. Il y a ce que tu as l'habitude de chanter là et les gens vont répondre. Vas-y. Ce que tu disais là, oui. Oh, ok. Ok. I was walking. Yes. And I see someone they was talking. Yes. And when they was talking, I hear they was saying about hmm. So it's mean you have to say what? Hmm. When I talk about hmm, you have to say hmm. When I talk about how, it mean you have to say ha. Ah. Okay, oh, thank you. Thank you. I want to say. Donc, oui, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Tu veux dire quelque chose? Il faut parler un peu. Hein? Il faut souhaiter bon anniversaire à ta tante. Faut me regarder ici. Bon anniversaire parce que je remercie Dieu de lui avoir donné plus. Merci donner une année de plus sur terre, que Dieu la bénisse, que Dieu lui donne encore plusieurs années à vivre et que Dieu lui réserve ce que Dieu lui a à lui réserver. Merci beaucoup.
Je remercie infiniment. J'ai Ruth. Bonjour Ruth. Bonjour Macha. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ton anniversaire aussi arrive bientôt. Oui, c'est le 17 octobre. Le 17 octobre. Et quoi, Inda? Et Inda, Nangoka. Oye, il y a Luki Makambo. Bato baba ni ko luka bilamba na kati ya Colombie sawa. Hein? Olobi nini mama? Bon baya baya belé bokota bokota bokota. Bakoto 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 hein. L'heure est grave. L'heure est grave, il faut bakoto. Voilà. Ben je vais prendre papa là-bas. Bonjour papa Jonas. Bonjour, bonjour maman Charles. Ah oui, papa Jonas c'est le papa de Ruth. La fête de Ruth va arriver dans une semaine. Qu'est-ce que vous en dites? Non, on est là, on est là. On va bien arranger vraiment ça. Ça, vraiment, c'est pas un problème. C'est pas un même. Toi, tu es bien placé pour ça. Avec mon fils. Je compte sur vous. Moi, je suis votre papa. Je suis là toujours. Je suis là avec les mains ouvertes. On vous regarde. Voilà, merci beaucoup. Ça va bien passer. Oui, merci beaucoup papa, merci. Je vais regarder le fashion show, l'animateur le plus recherché de l'univers. Yakai. Voilà. Voilà. Yeah. Donc, voilà. Il est là. Hi. Ouais. So, don't forget, I'm celebrating an amazing birthday. October 17th, it's about to go down. Come out. Make sure you bring some money. Don't come out empty-handed. We're not trying to have that. Y'all better bring some dollars. Bring some fives, some twenties, and then don't come out to the birthday dress up with no money. We're not gonna do that. And vous les jeunes là. Donc quand vous allez venir à l'anniversaire, il faut bien se placer. Faut porter vos Versace. Donc ça va vraiment chauffer quoi. Faut pas venir avec des poches sur rien là. Donc il faut ebima, bon ebima. Pas dollar. Faut mis ça va dollar. Mais nous années on a en Afrique, non ebima non. Non, faut mon la bien mais nous on a bossé là pour ebima. Siko yo papa. Hi. Bona biloko. Aha. To money na ba feti. Ouais. Ba to tamo bazo kene na ba feti. Il y a des femmes parfois qui volent les verres, les couverts, les trucs comme ça. Binomi hibio. Si vous avez des États-Unis, Quelles sont les précautions que vous avez prises? Sécurité est pas bon. Sécurité. Il y a aussi les caméras placées. De partout. Moi-même, monsieur, je serai sur place. Oui. Et dès que je vois vous faire des bêtises là, moi, je vous insulte. Moi, je m'en fous. Mais moi, je m'en bats les couilles. Donc, ce que vous avez dit, c'est que vous avez fait un film. Et la retraite de Zenzan est beau vraiment.
Donc bon vraiment bon ni bon ben moi on checke là encore j'ai beaucoup à peu près bâti un endroit d'abeille nous avons tout ce bonheur bébé où y a que nous quoi faire du donc vraiment la terre vous tient à tout oui ça ça vous donne un nouveau casse-coulou et tiens ben je vais encore poser une question au fashion show Yakai. On a le Covid-19. J'ai vu qu'on a partagé trop de cartes dans la ville. Ouais. Et c'est presque 200 ou 250 personnes qui seront à votre fête. Ouais. Mais quelles sont les précautions d'hygiène que vous avez prises? Mais il faut, on est vraiment bien placé. Il y aura des masques. Allez. Oui. Et quand les gens vont rentrer, et il y aura quand même des tests, quoi. Donc si tu dépasses plus de 100, tu peux pas rentrer. Donc moins de 100, on te fait rentrer, plus de 100, tu rentres pas. Donc il y aura mais les masques. Si c'est 100, si 100, 100, tu rentres pas. Même si la personne qui fait la fête. Même si elle fait la fête, mais non. Non, 100, ça se passe pas. Ça se passe pas comme ça. C'est pas comme ça, wesh. Ça se passe pas. 100, ça monte. De toute façon, non. La lumière. On a pris les précautions, même avec les tables, les tables seront bien placées. Ouais. Donc, c'est vraiment bien organisé, quoi. Ouais. Et bien, voilà, quoi. Sorry, I gotta switch to English. My French is horrible. Go ahead. So, like, I feel like there's a lot of precautions. Like, there's gonna be a lot of setup. And even, like, there's, as the people we enter, we'll make sure that, you know, they get tested. Anyone that's over 100, you're not gonna get in. You're gonna be lower than 100. And then, please bring your mask. There will be masks, but bring your own mask if you want to. When you're sitting, we're still gonna practice social distance. So we'll make sure that you sit it correctly. If you pass 100, we're gonna kick you out. You're not coming to the party. I'm sorry. I'm not trying to get sick. I'm not trying to get no corona neither. No, we're not doing that. Dead ass. We're not doing that. So stay tuned. Okay. I just need you to explain to people right. What do you say in your language about those plates, those glasses. Hear what I'm saying? So all the people that speak English, I'm going to make it super clear. If you come to the party, don't even think about stealing. Don't do it. There's going to be cameras. There's going to be security. If you see a nice plate and a nice glass, don't try to put it in your pocket. Don't do that. It's not your party. Don't do it. Leave it there, get out. Don't be coming out trying to see, oh, this is nice. Let me see. Nah. If we see you doing it, we're calling the cops. Yeah. Like, y'all cannot be doing that. Why are Africans so ignorant? Like, y'all so ignorant. How are you going to go to a party and you're trying to steal some stuff that's not even yours? This is ignorant. That's don't do fair. It. It's not fair. We got cameras. We're going to be watching y'all. Watching you guys. And those stuff you just rent. It's not even. It's just common sense. Common sense. You're not gonna come to a party and steal somebody else's plates. It's just stupid. You don't do that. It's common sense. Why would you like if you for example, if I come to your house, right? All right. If I steal your plate, are you gonna be okay with that? No. Of course not. Not at all. Absolutely not. Mm. So we don't want that. You guys, you're gonna drink. You're gonna eat. You're gonna dance. Mm-hmm. Please have some money. Please bring some money. Do not come empty-handed. We don't want that. Bring some dollars, please. Bring some dollars. What about? And the gifts. What about the clothes? The clothes? Yeah, the dress. Do you need people? I cannot speak to anybody else. Do you have a dress code? Dress codes. All people can wear anything they want. The dress code is just look good. Don't wear no ordinary clothes, because I'm a cuss you out. Put on some Versace, some you know what I'm saying, some fashion, some superb. But I know we will check some people over. Absolutely, there, I'm checking everybody. Here's the thing though. If people don't wear the right clothes, yes. I'm gonna cuss them out. I'm being serious. Are you serious? Yeah. It's not my party. I don't even care. No. So you have to be there. Don't fall of me, no crap. Are we? Bongo yo ko late la biso nini papa. Eza ba surprise. Eh non lo bate. Eh. Non lo ko lo bate. Na ba suki na yo barasta wana ko bi ma playboy. Ya mo mutana. Ya mo mutana. Na ba suki barasta ko bi ma playboy. Asta. Eh ko yina na ngoga. Doko ko sala ka ba stal. Te bomona. Ba oyo bomoni eza fashion show.
The man, you know him, that's my caddy caddy. Bro, you gotta go there. Come on, move, go over there. Donc, Kelly Akoloba. Yes, ouais. Donc, bateau Kelly. Salut. Salut, vous allez bien? Vous avez le masque dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de vos soeurs? Vous avez peur de votre papa, de votre maman? C'est pas question d'avoir peur de qui que ce soit. Venez vous asseoir. Essayez d'enlever un peu le masque pour parler. Ouais, c'est juste que j'étais à l'extérieur et du coup quand je suis entré, oui, il y avait encore sur moi et j'ai pas juste prêté attention à ça. Ouais, et vous pouvez dire qui vous êtes d'abord et puis j'ai quelques questions à vous poser quand même. Je me présente, mon nom c'est Kelly. Kelly Kelende. Je suis le frère à Ruth. Oui. Araïta, Jocelyn, tout le monde. YouTube, mon ami. Et nous vous attendons juste le 17, tout ça et tout. Genre, je serai là aussi, je serai à la porte, tout ça et tout. On va assurer la sécurité. We just want to make sure que everyone soit respecte en fait les logiques qu'on mettra, les logiques en fait, le principe qui sera mis pour la fête, pour les lieux et pour la sécurité de chaque personne qui viendra. Et donc, nous allons juste nous rassurer et nous demandons juste à tout le monde et juste d'essayer de, aussi, pour leur propre respect, juste de respecter tout ce qui sera mis comme, comme principe qu'on donnera et tout. Comme ça, les instructions qu'on va donner. Quoi. Voilà, que oui, tout aille bien. Oh ouais, donc vous serez à la porte, il y a qui et qui sera à la porte? Il y a moi, il y a mon frère, Jonathan. Ouais. Il est où Jonathan? Il n'est pas là? Non, il viendra. Il y a le il n'est pas là, il n'est pas là pour le moment. Il y a le grand frère, il y a Damien. Il y a les grands frères. Damien, c'est lui, oui. Et voilà, nous serons là à la porte et nous allons essayer de nous assurer que tout se passe bien. Ce que j'aimerais signaler à tout le monde, c'est que vous devez make sure que vous venez avec vos masques. Parce que sans masque, personne n'entre. Et donc ça doit être connu de tous. Et aussi, nous aurons des chats pour prendre la température de chacun avant d'entrer. Donc, si ta température n'est pas bonne, tu dois la fête pour tu toi, dois elle est dedans. Yeah. Tu rentres chez toi. Donc, ce qui est déjà bon pour eux, c'est de jauger déjà la température depuis la maison. Voilà, si vous trouvez que vous faites un peu de fièvre, ne venez pas là parce que Kelly ne va pas vous faire rentrer. Non, même pas. Parce qu'on ne veut pas faire rentrer une personne pour que les gens, que tout le monde soit malade. Quoi. Oui, oui. Donc, je vous demande, M. Kelly, d'être très strict à la porte. Température prise, masque porté. Et quand les gens viennent, il y a un truc que vous devrez mettre sur les gens. Donc, c'est comme... c'est comme un autocollant. Voilà. La température. Voilà, la température et puis le masque. Voilà. Si et seulement si la personne veut partir. Présent. Voilà. Vous retirez et la personne ne rentrera pas. Plus jamais. Voilà. Donc, soyez strict. Je vous souhaite une très bonne fête le 17 octobre. Et quoi, Inda Nango, et quoi, Inda Té? Ça sera tellement bien la fête que vous allez aimer. Juste, soyons en ordre, respectez juste chacun de nous, respectez-vous d'abord, premièrement, respectez chacun de nous. Et voilà, ça sera bien. Ça sera trop bien. Ça sera vraiment bien. Ça sera hyper bien. Donc, je vous remercie infiniment. Nous sommes là ensemble. Bon, bonne fête à vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye, merci.